Melania Klaus, elle, est une jeune mannequin débarquée de Slovénie qui n'a pas froid aux yeux. En 1996, elle accepte de poser pour ce photographe de mode français à New York. Un shooting plutôt dénudé pour un magazine masculin. Moi, j'étais très étonné de cette fille. Je trouvais que c'était très bizarre. Elle était, pour moi, c'était pas une mannequin classique. Moi, je connaissais les filles d'arrivée de l'Est. Il fallait leur refaire les dents. Elles étaient rachitiques. Et elle arrive, elle est sans refait, les dents parfaites, machin et ça. Elle joue complètement jeu, elle est complètement dedans. Puis bon, il faut être dedans parce qu'il y a les make-up, les coiffeurs. Ces clichés, les voici. Publiés une seconde fois en 2016 dans un quotidien américain, à 3 mois du scrutin présidentiel. À ce moment-là, Donald Trump n'attaque pas le journal, bien au contraire. Il a même défendu la photo, il a même dit que... il était très content qu'il n'y avait absolument aucun tabou. C'est plutôt honorifique pour lui de voir sa femme sublimée à travers une photo comme ça. Je ne pense pas que ces photos sont elles ont rien de sexuel, etc. Donc il n'y avait aucun... c'était absolument pas négatif pour lui.